Fabrice, et bonjour à tous les leaders dans la salle. Allô? Oui, vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Allô? Allô, docteur, nous vous attendons. Maintenant, vous pouvez aller. Vous avez la parole. OK, merci. Bonjour la salle et heureux de vous retrouver encore ce début d'après-midi pour partager nos visions sur la santé. Comme le leader Fabrice vient de le dire, nous allons essayer de comprendre la santé, de l'appréhender d'une autre façon pour que nous puissions nous offrir des alternatives. Mais comme d'habitude, vous êtes déjà habitué à ma façon de faire maintenant, je vais vous demander de me dire ce que c'est que la santé. J'envoie la question à la salle pour savoir exactement ce que c'est que la santé. J'espère que tout le monde sait de quoi on parle, mais j'aimerais avoir une précision là-dessus. Qu'est-ce que la santé? Allô? Allô? J'ai pas le retour. Allô? Allô? J'ai pas le retour, voilà. Ouais, bon, le docteur Jean-Paul demande c'est quoi la santé? Donc, nous sommes dans une salle de classe, donc tout le monde a le droit de parler. Vous pouvez répondre à la question. Celui qui veut parler va juste lever la main et on lui donne la parole. C'est quoi la santé? C'est la question posée par le docteur. Allô? C'est quoi la santé? Qu'est-ce que la santé? Qu'est-ce que la santé? C'est la question posée par le docteur. Donc, vous pouvez répondre, levez seulement la main et on vous donne la parole et vous allez parler. Allô, la salle? Allô, la salle, vous êtes là? Qui veut répondre? Qu'est-ce que la santé? Bon, il y a Monsieur Ekito qui lève la main. Vous avez la parole, vous pouvez répondre. Oui, je Il y vous a écoute. Ekito. Monsieur Ekito. Monsieur Ekito est en train de parler, mais son micro n'est pas actif, activé. Oui. Qu'il active son micro et... Oui, il y a la cabine qui s'en charge. OK. Mais en attendant, j'ai vu que certains ont envoyé quelques messages. Oui. Oui, monsieur Akita, vous pouvez parler. Voilà. Je dis que la santé, c'est l'existence en abondance de l'oxygène dans l'organisme. Oxygène en abondance, hein? Dans l'organisme. Merci bien pour votre participation. On verra tout à Merci, l'heure. docteur. C'est pas mal. Oui? Quelqu'un d'autre? Oui, quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Allô, la salle?
Bon, il y a M. Garba. Garba Aman. Garba Amadou. Oui. Monsieur Garba. Monsieur Garba. Cabine technique, est-ce que vous pouvez activer le son de Monsieur Garba? C'est bon? Allô, Monsieur Garba, activez votre micro, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Allô, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Garba. Bonsoir, Monsieur Garba. Oui, c'est Monsieur Garba Amadou du Niger. Ok, soyez le bienvenu. Oui, je voudrais dire tout simplement que la santé, c'est un état. Donc, c'est un état de bien-être corporel, moral, mental, physique et émotionnel. Ok, docteur Jean-Paul, vous avez entendu la réponse de M. Garba? Oui, oui, il a presque cité ce que dit exactement l'OMS. Merci. Mais on verra que ce n'est pas exactement ça aussi. Oui, quelqu'un d'autre? J'ai vu quelqu'un écrire. Quelqu'un veut, qui veut intervenir? Allô? Il y a beaucoup qui ont levé la main. D'accord. Allô? Je vais voir. Ok, il y a 4 personnes qui ont levé la main. Bon, on va donner la parole à Monsieur Donatien Mello. Monsieur Donatien Mello, activez votre micro, s'il vous plaît, Monsieur Donatien. Allô, Monsieur Donatien. Activez votre micro. Monsieur Donatien. Bon, on va demander l'aide de la cabine. Oui, c'est Monsieur bon. Monsieur Donatien, oui, c'est bon. OK, allez-y. Oui, la santé, c'est le fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme. Ok, docteur. Oui. Oui, c'est la réponse de M. Donatien. C'est le fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme. Oui, c'est bien dit, mais c'est rien de précis. C'est bien dit. Ok. Mais comme ça, on ne peut pas mesurer. Sinon, okay. C'est vraiment bien dit. Ok. Donc, on continue. Oui. On continue. Quelqu'un d'autre? Monsieur Mampangou, vous avez le micro. Monsieur Mampangou. Monsieur Mampangou, Sydney. Monsieur Mampangou, Sydney. Monsieur Mampangou. Monsieur Mampangou, vous avez la parole, vous pouvez parler. Activez votre micro, Monsieur Mampangou. Il semble que Monsieur Mampangou ne nous reçoit pas. Monsieur Mampangou, quelqu'un d'autre? Donc, si Monsieur Mampangou n'est pas encore prêt, on va donner la parole à Madame Cécile Aguino. Monsieur Mampangou? C'est Monsieur Sydney Mampangou? Monsieur Mampangou? Votre son est mauvais. Le son n'est pas bon, il faut le désactiver. Oui, il faut le désactiver.
passer à quelqu'un d'autre. On va donner la parole à Cécile, Madame Cécile. Cabine technique. Oui. On donne la parole à Madame Cécile. Madame Cécile, vous avez la parole. Allô. Oui, vous avez la parole. Bonjour, que Dieu vous bénisse tous. Bonjour. Je dirais tout simplement que la santé, c'est l'état physique d'un être humain. Santé, c'est l'état physique de l'être humain. Hein? Oui. Donc, même mort, avec son état physique, on est en bonne santé? On n'a pas dit bonne santé, on a dit santé. Oui. Donc, en fait, la santé peut être bonne ou mauvaise. Ah, elle est bonne lorsque... Vous introduisez une nuance. La santé... Oui. Globalement, est prise positivement. Voilà. Ça exclut totalement la maladie, mais oui. Pas que. Voilà. OK. Donc, quand on parle de santé, oui. Je sais la nuance que vous introduisez, mais ici, quand on dit santé, on dit bonne santé, puisqu'on parle de bien-être. D'accord. C'est l'état de notre... Dans ce cas, la santé, c'est l'état physique d'un être humain qui fonctionne normalement, harmonieusement. Normalement, harmonieusement, oui, c'est dit, mais ça laisse quelques doutes, mais c'est bon. C'est presque ce que tout le monde dit. Okay. On verra tout à l'heure. OK. Donc, docteur, on continue toujours. Il y a M. Agba Marius qui veut parler aussi. Leader, oui. Agba, vous êtes prêt? Vous avez la parole, Leader Agba. Oui. Bonsoir, le panel. Oui. Oui. Oui, je vous reçois. Je vous reçois 5-5. Oui, vous avez la parole. La santé, c'est l'état de fonctionnement efficace et efficient de l'organisme. La santé, c'est l'état de fonction efficace d'un organisme et harmonieuse d'un organisme. Voilà, merci. Merci. Docteur, vous avez entendu la réponse de Lidera? Oui, oui. Oui, j'ai entendu. Je crois que c'est largement suffisant, mais on va préciser les paramètres au fur et à mesure que la discussion continue. Je vais lire la définition que Madame Antoinette Assani a envoyée. Il y a un bruit de fond qu'il faut couper, s'il vous plaît. Oui, la cabine, il y a un bruit de fond, il faut couper, oui. C'est fait. Il y a Madame Antoinette Assani qui a envoyé comme définition, la santé, c'est un état de complet bien-être physique, moral, social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie et d'infirmité. C'est exactement ce que dit l'OMS. C'est un état de complet de bien-être physique, mental et social. Même cette définition-là, vous voyez, nous laisse un total flou. Ce n'est pas précis et on ne sait pas véritablement à quoi se mesure la santé. Mais dans cette salle, nous savons déjà ici que on ne parle de santé que pour les vivants. On n'en parle pas pour les morts. Et entre la vie et la mort, pour nous les humains, c'est la circulation sanguine. Tant que ton sang circule, tu es vivant. Quand ton sang ne circule plus, tu es mort. Mais
Ça, c'est la limite entre la vie et la mort. Vous voyez, quand on parle de la santé, on parle de l'état dans lequel on peut tout se permettre. Mais nous avons vu que de toute notre vie, on a besoin qu'en quantité que d'oxygène qui doit être transporté dans nos cellules. C'est-à-dire, je reviens là-dessus, la vie, c'est la circulation sanguine, la mort, c'est l'arrêt de la circulation, et tout ce qui nous amène vers la mort détermine les maladies. Si nous devons définir véritablement la santé, quelqu'un, là, c'est bien l'idée qu'il a très bien dit, c'est l'état qui nous permet d'avoir l'oxygène nécessaire nous permettant d'entreprendre tout ce que nous pouvons physiquement, mentalement et socialement. C'est l'état qui nous permet d'avoir l'oxygène nécessaire disponible pour tout entreprendre physiquement, mentalement et socialement dans les mesures du possible. Pour le comprendre, je vais vous dire ceci. Vous voyez, pour un état qui est une communauté d'individus, l'économie détermine la santé de l'État. Je dis bien, l'économie détermine la santé de l'État. Pour un être humain, la santé détermine le fonctionnement harmonieux avec tout ce qu'il y a comme oxygène possible, permis par la circulation sanguine. Et si l'on doit être clair, simple, on dira que on est en bonne santé lorsqu'on a tout l'oxygène nécessaire disponible partout sur notre corps. Un leader l'a déjà dit ici. C'est ça qui détermine la santé. Nous serons en bonne santé chaque fois que nous avons disponible en nous l'oxygène nécessaire. Mais puisque l'oxygène sert à la combustion, à l'énergie, on peut dire aussi que tant que nous avons l'énergie nécessaire pour tout entreprendre physiquement et mentalement, nous sommes en bonne santé. Vous voyez, j'essaye un peu de m'éloigner de la définition laissée par l'OMS, parce que l'OMS parle de bien-être. Le bien-être ne peut pas être défini rien que sur l'oxygène et la circulation sanguine. Mais ici, l'état physique, notre bon état physique est déterminé par l'oxygène disponible et la circulation sanguine. En gros, c'est l'oxygène disponible. Je compare toujours un individu à un état, quoique l'individu, un être humain, c'est l'état le plus peuplé du monde parce qu'on a plus de 80 000 milliards de cellules en nous. Et ces 80 000 milliards de cellules doivent être en bon état, disposer de l'oxygène, et cet oxygène doit être transporté par le sang pour qu'il fonctionne au maximum. Ces cellules doivent disposer de l'oxygène nécessaire pour avoir à fonctionner en toute potentialité. J'essaye d'éviter les mots trop techniques pour que tout le monde comprenne. Parce que l'économie d'un État est basée sur les biens, la monnaie, l'argent. Notre santé, c'est notre économie. Elle n'est basée que sur ce qui remplace la monnaie en nous, le bien, qui est l'oxygène, qui doit être transporté partout.
Et c'est ça seul qui détermine notre santé. Comment cette santé, c'est-à-dire cette économie, est financée? Cette économie est financée par notre nutrition, notre alimentation et notre respiration. Nous respirons l'oxygène, l'air, et puis on puise l'oxygène dedans. Et nous mangeons pour que la nourriture nous apporte de l'oxygène. Là aussi, tout ce qui nous apporte de l'oxygène sera dit alcalinisant, antioxydant, énergisant, ainsi de suite. Donc, être en bonne santé, c'est disposer de l'énergie nécessaire, c'est-à-dire de l'oxygène nécessaire pour pouvoir tout faire tranquillement. Ce qui suppose que quelqu'un qui est amputé d'un membre peut être en bonne santé, bien qu'il ait été amputé d'un membre. Avant l'amputation, il peut ne pas être en bonne santé. Mais quand on a arrêté la partie-là et que tout le reste, le restant de son corps, dispose de l'énergie nécessaire, il est en relative bonne santé. Un infime peut être en bonne santé. Par contre, lorsque vous n'avez pas l'oxygène nécessaire, disponible, vous n'êtes pas en bonne santé. Et c'est ce qu'on appelle les maladies en gros. Mais je vous dis précisément que les maladies ne sont que des cris d'alarme, des signes pour vous alerter que quelque chose en vous ne va pas. Quand vous avez des maux de tête, c'est parce que tout simplement, il y a des problèmes de circulation là, c'est ce qui crée la douleur là. La douleur vous dit, je manque d'oxygène, donnez-moi de l'oxygène. Mais vous, vous devez raisonner que si l'oxygène manque au niveau de la tête, alors que je respire bien, c'est parce que le transport de l'oxygène ne se fait pas correctement au niveau de la tête. Sûrement, soit le sang est devenu visqueux, soit il y a des caillots, soit une artère est bouchée. Quand vous avez des douleurs partout, c'est pareil, c'est comme ça qu'on raisonne. Donc, si je peux résumer, être en santé ou en bonne santé suppose disposer de l'oxygène nécessaire nous permettant d'accomplir tout ce que nous décidons avec joie et plaisir. C'est ça, en fait. C'est la réalité de la définition de la santé ou de la bonne santé. Je ne vais pas revenir sur la définition de l'OMS, c'est ce qui m'a été enseigné pour que je devienne médecin, c'est ce qui est propagé, mais ce n'est pas précis. La santé, c'est l'oxygène. Et l'oxygène est servi, nous est fourni par la respiration et l'alimentation. C'est tout. Si l'oxygène nous est fourni par la respiration et l'alimentation, c'est-à-dire notre énergie est financée par la respiration et l'alimentation, ce que nous devons augmenter pour être en bonne santé, c'est le financement. Ce financement-là, c'est augmenter notre capacité à respirer correctement avec des exercices et permettre à ce que le sang circule très bien sur nous. L'OMS a dit que cela ne consiste pas seulement aussi en l'absence d'infirmité ou de maladie. Vous comprenez très bien que c'est un peu flou.
Nous sommes, si je le dis, je le dis pour que vous voyez que ne pas être malade ou bien ne rien sentir ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème de santé. Mais tant que nous ne disposons pas de l'oxygène nécessaire pour faire ce que nous voulons, on n'est pas en bonne santé. C'est ce qu'on doit retenir. Nous sommes dans un mois dit octobre rose. C'est-à-dire le mois du cancer du sein, où tout le monde est poussé à aller faire des dépistages. Je veux dire, nos mères, nos filles, nos femmes sont poussées à aller faire des dépistages parce que, semble-t-il, lorsqu'on détecte précocement le cancer du sein, 90% est guéri. C'est ce qu'on dit aux gens. 9 sur 10 peut être guéri, entre griffes. Lorsqu'on détecte, attends, 90% peut être guéri. Mais ce qu'on ne vous dit pas, comment on trouve ces 90%, vous ne le savez pas. Sur quelle tranche d'âge on le trouve, vous ne le savez pas. Et à quoi correspond véritablement cette statistique-là? Est-ce qu'il faut faire le dépistage? Faut-il ne pas le faire? Quand on est en bonne santé, on n'a aucun problème. Est-il nécessaire d'aller faire le dépistage? Pour chercher quoi? Parce qu'on nous a dit, quand on détecte tôt, 90% guérissent. Mais je vais vous donner une image qui va vous bluffer. Imaginez que dans une population de personnes dépistées qu'on suit une dizaine d'années, on a 19 morts. Et dans une population dans la même période, non dépistée, on n'a que 2 morts. Si je veux pousser les gens à faire le dépistage, je vais dire, mais étant donné que dans le groupe dépisté, où on n'a que 2 morts, alors que dans le groupe non dépisté, on a 19 morts, le dépistage aurait sauvé 17. Et quand on calcule, ça fait environ 90%. Donc, ça veut vous dire, ça va vous dire que le dépistage est bon, mais, vous allez comprendre tout à l'heure que la mortalité n'est jamais présentée en pourcentage. C'est sur 1000. Quand on parle de 90%, c'est-à-dire 19 et puis 2, on compare les deux, ça veut dire que 17 ont survécu, apparemment, ça fait 90%. Mais la réalité, c'est que le nombre de survies est environ 17 pour 1000. Parce que quand on veut parler de mortalité dans une population, c'est sur 1000 qu'on les calcule. Donc, ça veut dire que nous avons 17 pour 1000 qui ont survécu. 17 pour 1000, ça fait environ 1,7%. Alors que, on a présenté ça tout à l'heure, comme 90%. Parce que, on considère que les 19 étaient 100% et que les 17 font 90%. Mais vous voyez comment on peut mentir aux gens? Là, tout le monde va croire que même sans rien sentir, si je me fais dépister,
j'aurai la chance d'éviter le cancer. Ce qui est totalement faux. Au lieu de vous parler de 1,7%, on préfère vous parler de 90% parce qu'on veut pousser tout le monde vers le dépistage. C'est intéressé, quoique c'est faux. Autre chose, normalement, quand vous voyez que c'est 1,7 pour, c'est 17 pour 1000 dans une population qui meurt, on appelle ça le risque absolu lié à la mortalité du cancer du sein, par exemple. Mais ce risque absolu lié au cancer du sein, pour voir si le dépistage peut servir à quelque chose, il faut comparer ça au taux de mortalité global dans la population. Peut-être c'est à 1%, peut-être c'est à 1,5%, tout simplement. Et quand vous comparez le risque absolu de mourir de cancer du sein, le 1,7, avec les 2% de la population, vous allez voir qu'en fait, le dépistage ne sert à rien. Mais s'ils vous disent ça, est-ce que vous allez choisir d'aller vous faire dépister? On préfère vous présenter le risque relatif en vous disant que 90% survivent et tout le monde croit. Alors que c'est une communication intéressée, presque mensongère, pour pousser les gens. Mais si en poussant les gens à faire le dépistage, on a un traitement efficace même pour ça, ce serait bien. Mais ce qu'on ne vous dit pas aussi, c'est qu'il y a trop de faux positifs. C'est-à-dire, il y a des gens chez qui on va trouver, sur la mammographie, un cancer qui n'existe pas. C'est pour ça que les savants, les chercheurs et autres ont déterminé, ont créé autre chose. On dit, quand tu me dis d'aller faire une analyse pour ma santé, combien de personnes cette analyse sauve? On appelle ça, en science, le nombre de patients à traiter. Quand je traite tel nombre de patients, quelle est la chance pour qu'un survive? Vous voyez ce NPT-là, si elle est très élevée, c'est mauvais. Mais si elle est très basse, non, si elle est le nombre de patients à traiter, si le nombre de patients à traiter pour sauver une vie est très élevé, ça veut dire que l'analyse est inutile. Dangereux, vraiment dangereuse. Mais si ce nombre de patients à traiter pour sauver une vie est très petit, ça veut dire que l'analyse là, elle est bonne. Je reprends. Imaginez que je dois traiter 1500 personnes pour sauver une vie. Est-ce que ça vaut la peine? Non. Je dois traiter 1500 personnes ou bien je dois soumettre 1500 personnes à une analyse pour sauver une vie. L'analyse là est inutile. Mieux, les savants ont cherché et ils ont trouvé que lorsque vous soumettez quelqu'un à un dépistage, quel est le risque que vous lui faites courir? On fait le dépistage par la mammographie, presque 50% iront faire une biopsie inutile et presque 20% subiront un traitement, radiothérapie, chimiothérapie et autres, inutile. Dans une situation comme ça,
pour évaluer la santé de quelqu'un, dans un, ce qu'on appelle un dépistage systématique, organisé, pour préserver la santé, avec une analyse aussi imprécise, pas fiable, pas spécifique. Est-ce que ça vaut la peine? Si dans une famille, vous êtes une famille de femmes, en grande partie, et votre maman a fait un cancer du sein, on demande à tout le monde, aux autres, d'aller faire une mammographie. Ou bien lorsqu'une personne, une femme a fait un cancer, on demande à tout le monde d'aller faire une mammographie. Vous voyez que, un, l'analyse ne servira pas à sauver des vies. Je vous le dis précisément, le NPT ne permettant pas à sauver des vies, ça ne sert à rien de faire ça. Plus, on constate que ceux qu'on soumet à ces analyses-là, le nombre de patients à risque est très élevé. Alors, il faut penser, trouver une autre alternative. Je suis heureux chaque fois que je vous parle ici parce que vous avez la chance de faire autrement. Vous êtes sur un paradigme qui est totalement différent, qui est basé sur la malbouffe, où tous nos problèmes de santé sont liés à la malbouffe et vous avez les suppléments les meilleurs au moment où je vous parle. Quand, par malheur, quelqu'un est supposé avoir eu un problème de santé dans une famille, au lieu de faire des dépistages pour tout le reste, il faut les envoyer rapidement vers AIM pour leur apprendre à manger, à corriger leur alimentation, parce que le mode de financement de leur maladie venait de leur alimentation. Et c'est pour ça, quelle que soit la maladie, je précise ceci, toutes les maladies qui viennent brutalement, qui nécessitent une urgence, je veux dire les maladies aiguës et les urgences, envoyez-les à l'hôpital. La médecine est plus outillée pour ça. Je le répéterai toujours. Mais toutes les maladies traînantes, qu'on appelle chronique ou dégénérative, c'est la baisse lente, aggravée de la disponibilité de l'oxygène sur le corps qui définit ça. Et ça, ce n'est pas avec le médecin, c'est dans l'alimentation. Et l'alimentation aussi étant biaisée, il faut aller vers les sociétés ou les organisations fournissant les suppléments alimentaires et les compléments alimentaires, ou bien les organisations qui apprennent aux gens à manger correctement. Quoique, tout ce dont nous disposons aujourd'hui ne sont plus dans les normes de nos ancêtres. J'insiste là-dessus, je le répète, au lieu de conseiller aux gens à faire des dépistages du mois d'octobre rose, il vaudrait mieux les envoyer vers quelque chose qui doit leur fournir la circulation de l'oxygène en eux. Puisque la vraie santé, c'est notre capacité d'avoir l'oxygène dont on a besoin pour accomplir tout ce que nous voulons. Et cet oxygène, c'est dans la respiration, c'est dans l'alimentation, ce n'est pas dans les médicaments, et ce n'est pas dans le dépistage, et ce n'est pas dans tous les traitements lourds qui vont s'en suivre.
Mais la communication décide, je vous ai dit tout à l'heure, les gens utilisent des notions de risque relatif pour flouer les gens. Vous allez être étonnés. Les médecins, le personnel de santé, même les enseignants en médecine, ne maîtrisent pas bien les chiffres et leurs contorsions. Les journaux, c'est pire. Et quand on vous dit 90% guérissent chez les gens dépistés précocement, on ne vous dit pas la tranche d'âge. Je vais vous dire quelque chose. Pour avoir cette statistique de 90% qui guérissent, il faut avoir une espérance de vie de 95 ans. Mais imaginez qu'avant 95 ans, beaucoup de choses peuvent vous tuer. À 40 ans, le risque de faire un cancer du sein est à 0,4%. À 50 ans, ça fait 2%. À 70 ans, ça fait environ 7%. À 75 ans, ça fait 9%. Mais malheureusement, déjà vers 70 ans, on dit que le dépistage n'est plus nécessaire. Mais en ce moment, au moment où le truc doit être fait pour vous servir véritablement, on dit que c'est inutile. Et on le fait plus tôt. Pourquoi ne pas faire une campagne de bonne alimentation, de supplémentation correcte pour préserver la santé des gens? C'est parce que la définition même de la santé est biaisée et donc la définition des maladies qui s'en suivent sont aussi biaisées. J'en parle ici pour que tout le monde comprenne que notre santé n'a rien à voir avec l'hôpital véritablement. Elle est au marché, elle est dans nos activités. Et c'est seulement lorsque nous sommes malades qu'on va vers les professionnels de la santé, mais eux aussi, la plupart du temps, ont les mêmes mots que nous. Donc, ils ne connaissent pas la cause. Et c'est pour ça que nous devons revoir notre définition de la santé et savoir comment surviennent nos maladies pour proposer, pas une médecine alternative, parce que c'est un abus de langage quand les gens disent médecine alternative. En français, médecine alternative veut dire une alternative à la chimie. Ça n'a pas de sens. La vraie médecine alternative, c'est l'homéopathie, parce que l'homéopathie et la médecine conventionnelle sont en conflit parce qu'ils parlent de doses. Ils utilisent la même chose, mais l'homéopathie dilue, diminue les doses. Alors que ici, nous sommes en train de parler de quoi? De l'alternative à la médecine. C'est-à-dire ce qui nous permet d'éviter d'aller vers la chimie. J'insiste sur la nuance. On a la médecine ou on va vers l'alternative à la médecine. La médecine, c'est la chimie. La médecine, c'est la chimie. L'alternative à la médecine, c'est tout ce qui est alimentation et tout le reste, quantique, tout. Maintenant, quand les gens communiquent et disent « je fais la médecine alternative », c'est qu'ils n'ont pas la compréhension du mot. La seule médecine alternative, c'est l'homéopathie. Les deux utilisent la même chose, mais l'homéopathie est en conflit avec la médecine sur la dose. Et l'homéopathie fait des dilutions. Mais ils ont le même principe. On n'est pas dans ces cas-là. Nous savons que l'alimentation est notre première cause de problème avec notre environnement, je veux dire l'air que nous respirons. Donc, s'il faut soigner les maladies graves traînantes, il faut aller vers tout ce qui nous apporte cette alternative-là.
Donc, aller vers ce qu'il y a de pur, naturel possible. Or, aujourd'hui, ceux qui préparent la chimie, font les médicaments, c'est les mêmes qui font les intrants agricoles avec lesquels tout est cultivé. Ce qui suppose que, excusez-moi le mot, ils savent à peu près de quoi ils nous empoisonnent pour savoir ce que nous allons avoir comme problème après. Et on nous propose un cheminement. Mais nous, nous savons que l'antidote vrai et l'énergisant vrai qui existe naturellement, c'est l'oxygène. Elle est apportée par la respiration, l'oxygénation, l'ozonisation et l'alimentation. L'oxygène ne manque pas encore dans l'air, donc c'est notre alimentation qui est la clé. Et c'est pour ça que la meilleure alternative de santé que l'on a, c'est d'aller vers les choses les plus naturelles possibles. Les plus naturelles possibles. Étant donné que le naturel est presque impossible, on a une supplémentation ou bien une complémentation de ce qui est naturel possible. Certains vont dire bio, d'autres vont dire naturel, mais voilà en gros ce qui se passe. Et vous ne pouvez pas être membre de AIM et vous laisser traîner vers des dépistages qui ne sont vendus que par des statistiques ambiguës, la plupart du temps des chiffres faux, biaisés, dont les compétences ne vous sont pas offertes. Pour comprendre, je viens de vous donner les exemples tout à l'heure sur les 90% dont on parle tout le temps, sans vous dire exactement de quoi on parle, alors que les chiffres réels peuvent cacher d'autres choses. Dépistage organisé, systématique chez des gens non malades, c'est inutile, dangereux en plus, parce que les traitements ne sont pas anodins. Les analyses ont trop de faux positifs. Quoi qu'on puisse vous dire en sensibilité et en spécificité, c'est-à-dire en fiabilité et en validité pour ces analyses-là, je vous le dis, les dépistages systématiques, il ne faut pas le faire. Faites la ruée vers les suppléments alimentaires. Et dans notre zone aujourd'hui, les suppléments fiables sont les suppléments AIM. Avec tout ce qu'il faut pour vous guérir véritablement. Dès que vous avez un membre de votre famille qui souffre d'hypertension, qui souffre de diabète, qui souffre d'autres choses, de cancer et autres, ou bien qui est mort de ces maladies-là, au lieu d'aller faire des tests de dépistage et autres, courez rapidement vers les compléments alimentaires, les agents de AIM, pour qu'on vous explique la santé autrement, pour que vous compreniez que votre santé ne tient qu'à une bonne alimentation, à une bonne supplémentation de votre alimentation, de votre vie, et ainsi vous permettre de vivre le plus longtemps possible génétiquement. C'est pour cela que j'avais choisi de vous parler de comprendre la santé autrement. Comprendre la santé autrement, c'est comprendre que la capitalisation de nos maladies ne vient que du financement de ces maladies-là
qui n'est que la mauvaise alimentation. Et pour corriger la mauvaise alimentation, il faut une bonne alimentation, qui est presque impossible aujourd'hui. Donc, il faut une bonne complémentation ou supplémentation qui vient des produits AIM ou autres. Voilà, en gros, j'ai un peu titillé le mois d'octobre rose pour que vous compreniez, mais tous ceux qui auront des questions à poser là-dessus, je peux leur expliquer mieux comment les chiffres sont utilisés de façon biaisée pour vous pousser à aller vers le dépistage qui, en réalité, ne vous servent pas à grand-chose parce que le nombre de patients à dépister pour sauver une vie, ce qu'on appelle le NPT, à 40 ans chez les femmes, est environ 1 pour 1500. C'est nul. Ça ne sert à rien. Par contre, le nombre de patients à risque, c'est-à-dire le risque qu'on vous fait courir en allant faire systématiquement le dépistage, est très élevé. 1 sur 2 vont avoir des biopsies totalement inutiles. Et 1 sur 5 vont subir des traitements inutiles et dangereux. À quoi ça sert? C'est parce que la maladie est mal définie. La maladie ou les maladies ne sont que des signes ou des syndromes. C'est votre façon, la façon de votre corps d'exprimer la souffrance de manque d'oxygène qu'il a dans un organe ou dans un autre, ou de manque de circulation qu'il a dans un organe ou dans un autre pendant un certain nombre d'années. Et c'est pour ça, je vais le dire, c'est vrai que toutes les maladies s'annoncent avant d'apparaître. Je répète, toutes les maladies s'annoncent avant d'apparaître. Si vous avez compris ce que j'avais fait, un partage sur les huit systèmes tampons ou bien systèmes de neutralisation de l'acidose en nous, vous allez comprendre que toutes les maladies s'annoncent longtemps avec des signes d'avertissement longtemps avant d'apparaître. C'est pour ça qu'on vous parle, il faut dépister, il faut poser le diagnostic précocement. Mais si on veut poser le diagnostic précocement, il faut être précis. Mais ce qu'on vous propose, ce qu'on a actuellement, n'a rien de précis. Et pire, ça peut s'avérer dangereux. Les chiffres que je sors, c'est des chiffres tirés des publications des grands laboratoires, mais en même temps avec les biais énormes, sachant que puisque les médecins et les professionnels de santé ne savent pas l'interpréter, ce n'est pas vous, la masse, qui saura interpréter. On crée la peur et la panique et tout le monde court vers ce dépistage-là. D'ailleurs, je parle du cancer octobre rose, mais il y a un truc en cours actuellement, le COVID. C'est pareil. Une épidémie n'a de valeur que le nombre de dégâts, c'est-à-dire de décès qu'il entraîne et qu'elle entraîne, le nombre de cas urgents qu'elle entraîne. Mais écarter ces deux-là, il n'y a pas raison de parler d'épidémie et de pandémie. Ça ne sert à rien. Pourtant, c'est ce qui est dit, c'est le nombre de morts par jour qu'on nous vend tout le temps, sans nous donner le nombre de morts par an sans ces maladies-là. C'est pour ça, je le répète, les statistiques, attention, faites très attention aux chiffres qu'on avance, au nombre de morts qu'on vend. Mais on ne vous dit pas combien meurent par jour dans les années passées sans cette épidémie-là ou sans cette pandémie. Garantissez votre oxygène, garantissez votre circulation, vous aurez garanti votre santé, vous aurez garanti conséquemment votre immunité, et donc
votre longévité que vous pouvez convertir en argent ou toute autre chose. En résumé, la santé, c'est la capacité que vous avez à disposer d'oxygène nécessaire pour entreprendre tout ce que vous voulez. C'est ça la santé. Rien d'autre. Rien d'autre. Et vous savez, elle est financée par notre alimentation. Donc, bravo. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses. J'ai fait l'effort d'éviter des communications trop techniques pour que tout le monde comprenne. J'espère que je le réussis. J'espère, parce que ce n'est pas facile. C'est pour ça que j'évite les mots techniques trop avancés, mais des fois, on ne peut pas faire autrement. Vous me le pardonnez, on est ensemble. Je vous remercie, j'attends vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur Jean-Paul. Merci pour le développement. Et le docteur, tout ce qu'il vient de dire...